Et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Merci de le demander. On se retrouve pour faire du Dark Tide. On va se faire le nouveau mode de jeu qui s'appelle niveau Auric et Maelstrom. C'est-à-dire tout simplement que c'est un niveau de difficulté toujours 5. Le niveau Auric, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de mobs en général sur le terrain. Et Maelstrom, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière, des spéciaux. Plus de vagues de spéciaux, pardon, et les spéciaux peuvent se transformer en boss. En sachant qu'évidemment ça tourne, hein, des fois c'est d'autres modificateurs. Et que c'est plutôt cool. Donc là on est dans le noir, c'est un peu casse-pied, mais bon. Non, c'est pas le mec que j'ai avec qui j'ai joué tout à l'heure, ça. Donc on a trois vétérans, ça va être la guerre pour les munitions, une fois de plus. Après les vétérans avec les bolters font pas mal. Non, c'est pas le même que tout à l'heure. Ah ah ah, l'ulti est fini. Attention, hein. Il va y avoir plein de boss, faut qu'on reste occupé. Il est nerfé le Chaos Spawn ou c'est peut-être un vrai boss vraiment. Oh, ces petits yeux jaunes partout dans le noir. Ah, le mec a rage kit du coup, j'ai pas fait gaffe. C'est nappe le chien, vraiment, c'est nappe. Oh. Oh. Sérieux, c'est lui qui m'a fait autant de mal. Ça va être la galère niveau munitions déjà. Ouais. Pourquoi je suis ici tout seul? Pour ça, je pense. Non. Oh.
Ah merde, il a vu la caisse avant, il va avoir des munes. Oh, je déconne, hein, c'est bien. Une caisse de munes, ça c'est cool. Genre j'étais dans les flammes. Stay alert. I'd be at a chick's lurking. Ammo. Thanks. Ammo. Oh non. Ah, je suis au-dessus, putain, j'ai trop mal visé. Ah, il n'y a plus personne, ok. Ok, les mecs, vous avez beaucoup trop rushé. Oh, merci. Ok, je vois que le mec a rush key, donc on va se barrer. Je fais pas le boss donc je raise. Oh. Oh, ça va être chaud hein, je pense là. Je pense que ça va être très très chaud. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça, c'était pas pingé. Ah, oh, là je suis coincé. Je ping comme un malade, je vois rien. Putain de mouche quoi. Attends. Ouais, ouais. C'est vrai que t'as besoin de soins, mais personne n'a de kit. Putain, il m'a mis le loot, j'ai regardé mon inventaire. En disant peut-être que j'ai raté un truc. 75, c'est pour moi. Oh, putain, ils ont pas pris les mines, j'aurais dû les prendre. Alors les gars, je dois tout faire. Ah, ah, ah. Allez, on y va. Oh oh oh, on va peut-être attendre avant d'avancer. Oh non, mais ils ont appuyé, mais c'est pas vrai. Voilà. Oh. What? Oh non, j'étais poussé dans le truc, quoi. C'est tellement sale. C'est dégueulasse, j'étais poussé par le boss, en fait. Il a gagné un succès Steam là-dessus. Thank you.
C'est pas mal comme entrée ça. Non, il y a un boss. Ah, tiens, j'ai compris. Non, en fait. Non, mais. En plus, c'est moi qui voulais spécifiquement. Pas très sympa. Il y avait un boss, hein, mais je sais pas où il est passé. Oh, quel con. Ok, on va pas y aller tout de suite, hein. Mais what? J'étais super loin. Merci. Putain, c'est chaud, patate. Aïe, j'aimerais bien refermer, merci. Monsieur Sandwich, je n'ai même pas capté. Tellement à fond dans le truc que j'avais pas vu. Ah, c'est ça. C'est débile ce que je fais. Oh là, y a encore un boss qui spawn du coup. Oh, putain, mais il m'emmerde le petit là. Ah! Oh non, c'est sale de ouf ça! Oh putain, je suis coincé en plein milieu de toutes les flammes. I was here in this St. Morrow's first King Ward in chaos. He was at the Buzz Up War. Où la batterie? Ah, parfait. C'est parfait, monsieur. You know what I'd like? What's that, boss? Some proper armor. You know, like those tempestous scions have. This move! Only that would have fit! It's not fair! Oh! Okay. Okay, on va peut-être reculer, hein, du coup. Bordel. On va attendre un peu que la merde elle part du sol là parce que ça fait vite beaucoup de dégâts. Oh là là, mais maintenant il y a un ogrim quoi. Oh.
le lit. What? Oh. Ah. C'est chaud ça. Oui, encore un sniper. Un peu des mines parce que... Ah mais il se fout quoi là? Ah il est mort. Okay. Tellement de trucs qui pop en haut à gauche que je vois pas tout ce qui meurt. J'ai presque envie de poser ma caisse honnêtement. Je vais pas le dire 15 fois. Hein. Oh. Putain, je tente de me recharger, c'est moche. Ah non! Oh! C'est chiant que les grenades elles rebondissent sur les... mecs. J'ai le droit de les faire tomber et atterrir plus loin. J'ai plus pris, sérieux quoi? Ah oui, encore tout ça. Ah! Merde. C'était moche comme action. Ah, les tireurs dans le noir, c'est vraiment tellement puant quoi. J'ai qui quand même s'il n'y a pas. Pas forcément des mobs, mais surtout des munitions. C'est pour Orim, mais il est loin. Et les gens qui sont loin ont toujours tort. Regardez vos balles. Ouais.
Ah, j'ai esquivé en arrière du coup. Ouais, ça fait super mal en plus. Ah, la pire utilisation de mon pouvoir au monde. Oh sérieux là, oh là là, je vais perdre mon pouvoir à cause de ça quoi. Ouais, je prends cher. Ouais, je prends trop cher. Pourquoi on est que... Ah non, je vais demander où était l'autre. Oh, c'est méchant ça. Ma faute, hein, j'ai joué n'importe comment cette action là. Pour moi les mines. Y a un soin. Ça veut dire soigne-toi. Merde, je pensais qu'il y aurait plein de tireurs, y'a rien. Oh, je suis deg. Putain, à chaque fois je tire dessus, mais... Oh putain, le réduire sur moi. Pas trop près. Dommage. Ah, c'est toi le green. Chose qui se passe. Et puis là on est au moitié de la map je crois. Ah ça c'est un vrai boss par contre. Je crois que c'est un vrai boss hein. Prepare, people! You're dead!
the Chunks Flamer. Bring Duty down. Parfait. Parfait. Ah, c'était très drôle. Le mec s'est pris un stop, j'ai pas du trop comprendre. Bon, c'est là qu'on commence la descente. Putain, aux enfers. Parce que c'est pas des tireurs là pour le moment, on peut même pas activer le pouvoir. Ah ouais, j'étais sûr qu'il y en avait encore plein dessous. J'ai fait des moments de pause pour cligner des yeux. En fait, j'avoue que je me rends pas compte si je cligne des yeux ou pas. C'est tellement intense que il y a moyen que on puisse regarder qu'à chaque fois que je cligne des yeux, je prends des dégâts. Ah, il y en a derrière moi. Ah, je me suis tapé par là quoi, comment c'est possible. Là où j'ai jeté ma grenade dans le vide. Où je l'ai jeté dans le vide. Hein. Oh, une horde. Ça fait longtemps. Ah, oh, j'ai fait la même. Désespérant. Ouais, là, je sais très très bien. Et sale. You can stop worrying about the hound.
Oh! Dommage. Ah, sérieux. Ah, sérieux. C'est très très drôle. Et on se casse de là. On arrive à l'événement final. Fais chier, à cause de toi, j'ai perdu mon ult. Ah, le sniper il s'est barré. Ouais, je crois bien que ouais. Ammo! You should heal, soldier. Look. Etta! Ammo, quickly. Salutations, Padron online. Scanning protocols engaged. Putain, l'enfoiré qui m'a fait super mal. Non! Je suis où là? Ah, oh, je suis tombé! Putain, c'était sale ça. Aïe. Raison tu fais putain. Ouais, plein de tireurs en haut. Ouais, je vais juste rejoindre mes copains. Ah, le snipe sur cette map, il est horrible. Ah les mecs, je peux pas faire le snipe si on ne pouvait pas. Ah, je l'ai pas. Oh, c'est rien, un mec derrière moi. C'est où qu'on saute en vrai, c'est là? Ouais, c'est là.
Yes. Allez, rentrez. Yes. Good job. C'est un peu plus facile que ce que j'ai vu précédemment. Putain, 400 000 dégâts quoi. Ah, la mitraillette ça marche bien. 300 000, oui, quasiment 1 million de... 1 million de dégâts. Je connaissais pas cette carte, ouais, ça fait partie des deux nouvelles qu'ils qu'ils avaient ajoutées il y a un patch ou deux. Il y a deux cartes, ouais. Qui sont sur des environnements qu'on connaît déjà, mais qu'on parcourt différemment, comme d'habitude. Elles sont plutôt cool. Celle-là, j'aime bien la fuite en avant dans les couloirs avec... on l'a pas bien vu parce que c'était dans le noir. Mais il y a les portes qui se ferment, en fait, et en gros, ça nous dévie du chemin en pensant qu'on va tout droit, il faut passer à gauche soudainement, tout ça. Mais c'est plutôt cool, et l'événement final est pas mal aussi. Et il y a une autre carte qui allait avec celle-là, qui est un peu plus retors, je trouve, avec un événement où il faut bouger des trains et temporiser en attendant. Et un final que j'adore vraiment, où on est sur une grosse plaque qui monte et qui descend en fait, et qui se balade à gauche à droite. Et on va à divers objectifs en se déplaçant avec la plaque. Donc la horde spawn de partout, qui est plutôt cool. Donc ouais, les dernières cartes qui s'avaient ajoutées étaient vraiment pas mal, je trouve. Ok, ça c'est bof. Non, c'est pas toujours ça. Enfin bon, en tout cas c'était GG, je suis content d'avoir réussi. J'ai plutôt bien joué, hein. La partie difficile était avec le zélote. J'ai l'impression que les personnages à distance, avec une grosse puissance de feu à distance, ont plus de... d'utilité, j'ai envie de dire, dans ce mode de jeu. Mais peut-être que je me trompe, hein. Je suis pas expert une fois de plus. Ça c'est bof. Je pourrais retenter d'avoir la bénédiction, vas-y. On va faire ça vite fait avant de quitter, hein. Non, c'est pas infini. Moi, la bénédiction niveau 4 qui me manque, s'il te plaît. Dommage. Ah si, c'est ça. C'est ça, ok. Je pourrais me remettre à jouer l'épée... l'épée énergétique. Alors, elle est pas mal la mienne en plus, je l'ai pas améliorée plus que ça, elle est pas mal. Donc je pense que je vais remplacer... Je pense que je vais remplacer colère par... par Power Cycler, hein, n'est-ce pas? Et je vais remplacer Massacre, le reste est pas mal, les atouts sont pas ouf mais pas mal. Je vais remplacer... ça par Massacre, c'est pas mal. Je remplace ça par Massacre. Ah mais je l'ai déjà en fait, sauf que c'est le... Ouais, alors je vais peut-être pas faire ça. Même s'il est que niveau 2, en soi c'est 2,5%, c'est pas foufou, mais je vais plutôt changer ça à mettre ennemi implacable, parce que ça c'est bien par contre. Tout que j'ai eu ça, oui, ça c'était pour le désenchanté, comme on dit sur vous. Tout, bon, je suis toujours à la recherche des bénédictions niveau 1 et 2. Hein. Même si je commence à toutes les avoir, je pense. Tac, et on va pouvoir s'équiper celle-là. On va sauvegarder ici, même si c'est un peu buggé ce truc, j'ai l'impression. Ça me permettra de refaire le... De refaire un peu avec l'épée énergétique, hein. Je joue déjà le zélote avec l'âche. Et je trouve ça dommage d'avoir deux persos avec la même arme. Ça j'y trouve de moins en moins puissant, ouais. Mais ça c'est très fort. Attends. Ok, d'accord. Enfin bref, allez, je vais pas me relancer là-dedans. Je vais faire ma petite pause maintenant et du coup, il restera plus que la partie avec le green. On va voir si j'ai réussi à faire des games avec le green. Et puis voilà, donc je vous laisse ici et je reviens tout de suite après. Allez, à toutes.